Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous apprends comment créer cette carte de service ou carte ID de façon professionnelle telle que vous l'avez vu au démarrage. Alors, pour arriver à faire ce genre de cartes, il suffit tout simplement de venir au niveau de l'insertion et puis venir récupérer cette forme ici. Je commence par notre forme ici qui est au devant, ou sinon je prends cette forme ici. Et tout dépend. Alors, je vais déposer la forme en question ici. Regardez et retenez toutes les étapes pour que vous puissiez aussi à votre tour l'effectuer. Alors, je gonfle un peu mon zoom et pour que j'aie au moins la capacité à bien faire les choses. Alors, je viens ici, j'enlève les contours et puis je fais quoi? Je viens récupérer un autre élément de la même taille, ça va, je vais récupérer celui-ci et puis je viens poser rapidement là et puis je mets ici de cette manière ici. Alors dès lorsque je pose, vous voyez, je viens soit bouleverser un peu les couleurs, ça va, je prends le premier élément et je me dis bon, celui-ci je vais quand même tout petit peu bouleverser la couleur. Je dis bon, je vais lui donner cette petite couleur ici. Vous voyez ça? Oui, je peux même prendre celui-ci. Voilà. Je prends cette couleur-là. Et puis, bon, ici, j'ajoute un petit peu. Et puis, même la carte, j'ajoute un tout petit peu. Et dès lorsque je fais ceci, et qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais lui donner une couleur de choix. D'abord, j'enlève le contour. Et puis, j'observe, je constate que tout va bien. Et puis, je viens lui donner une couleur de choix. Je me dis bon, cette couleur peut faire l'affaire. Ok, je prends cette couleur là et puis l'étape suivante, je vois un peu et voilà. Je peux soit prendre cette couleur ci voilà, c'est mieux. Et quant à celui ci j'ai modifié tout petit peu encore, vous voyez, et je me dis bon, avec ça, ça va. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir jouer sur celui-ci. Je remonte encore le zoom. Qu'est-ce que je fais? Je duplique l'élément en question. Regarde ce que je fais. Je diminue les portions. Je le mets tel qu'il est. Qu'est-ce que je fais? Je diminue la portion de cette manière-ci. Et puis, je diminue tout petit peu ici. Je diminue tout petit peu ici. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens au niveau des couleurs. Je choisis celle-ci. Je prends celle-ci. Retenez tout ce que je fais. Je clique. Alors, je viens ici, au niveau de modifier la forme, je prends les points. Je vais mettre un point ici. J'ai choisi moi-même. Je me dis, bon, j'ajoute un point ici. Je viens ajouter un point ici. Ajouter un point. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je clique. Et puis, je supprime le point. Vous voyez? Je viens ajouter encore un point ici. Et puis je viens ici à la fin. Je clique et puis je supprime. Vous voyez ce que je fais? Et puis je prends mon élément, je le fais entrer ici à l'intérieur. Ça, c'est la première des choses à faire. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir encore au niveau de l'insertion. Et puis récupérer cette fois-ci cette petite zone ici. Et je vais là-bas, je récupère celui-ci, je crois, c'est mieux. Et puis je le mets ici. Regarde, et puis je le tourne. Vous voyez? Je viens ici, au niveau des contours. Je vais mettre cette couleur ici. Et ensuite, j'enlève ça.
Qu'est-ce que je fais? Je fais monter. Je regarde très bien tous les petits mouvements que nous faisons. Et voilà, vous pouvez aussi l'amener de cette manière ici. Ok. Voilà. Avec cette allure, nous pouvons faire des très 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 bonnes choses. Vous voyez ce que je fais? J'arrange pour avoir un angle aussi favorable. Alors je vais au niveau des points. Je dézoome un peu et puis j'organise les choses. Voilà, je crois que c'est bon comme ça. Et puis regarde. Vous voyez? Je prends la même chose. J'amène ici. Et puis je remonte à nouveau. Et je vais modifier le point. Et puis je vais mettre ça de cette manière ici. Et voilà. Nous croyons que notre élément est en train de s'imposer promptement, tel que nous l'avons voulu. Alors ici, je peux toutefois récupérer l'élément en question, je vais là-bas. On peut soit diminuer tout petit peu. Ah oui, tout dépend, n'est-ce pas? Tout dépend. Voilà, tout dépend de ce que nous voulons faire. Je prends encore cet élément ici. Voilà, je mets 46, je vais encore ici. Je mets 46. Voilà, donc nous pouvons déjà avoir ça. Et voilà. Tout ça, c'est notre petite carte que nous sommes en train d'arranger tout doucement. Alors, lorsque je termine toutes ces étapes ici, et je me dis, bon, ok, ça va. Je viens mettre quelques petites histoires ici. Ici, je vais mettre le nom de l'hôpital, par exemple. Voilà, je mets ces noms, voilà. Ces noms du choix, tu peux mettre ce que toi tu as besoin. Et voilà, donc je mets ça et puis je vais récupérer celui-ci. Là, je mets médium. Et voilà, les deux sont là. Voilà. Je peux amener les noms ici. Et bon. J'enlève tout ça. Et voilà. Alors ici. On va essayer d'observer. Et là, c'est la couleur blanche. Là, c'est la couleur. Là, c'est quelle couleur que l'on peut mettre? On peut mettre cette couleur-là. Si, par exemple, nous la voulons exactement. Alors, admettons que ici, on met seulement blanc. La couleur blanche partout. C'est pas mauvais aussi, hein. Eh bien, alors l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir poser l'image de la photo
pour se servir de la carte. Vous voyez? Nous mettons un truc comme ça là-bas. Et puis, ici, nous venons mettre les identités promptes de cette personne. Voilà, son nom c'est celle-là, Marie-Rose Ndoli. Puis bon, on prend médium. Nous mettons quelle couleur? Et carrément, nous mettons noir. C'est bon pour la visibilité. Et puis nous sommes ici. Et là, nous mettons quoi? Revenons sur nos couleurs de base. Exact. Et puis, nous diminuons. Diminuons là-bas. Et là, nous venons mettre encore un truc de comme ça. Notre ID, number, nous mettons là-bas, et puis ici nous venons mettre nos identifiants prompt, et voilà. Notre carte se porte désormais à merveille, selon l'esprit de ce travail. Et puis, je vais regrouper d'abord les deux éléments. Et dès lorsque je regroupe, je peux toutefois les dupliquer et respecter la clause de cette petite première observation. Et là, nous écrivons... Et ici, nous avons encore le même élément. Et ensuite, nous venons encore poser ça ici. Vous voyez que c'est pas trop complexe, hein? C'est pas trop difficile. On peut toutefois faire ça comme on le veut. Exploration date. Et voilà, nous mettons encore une date ici. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On veut poser la photo de la personne qui s'appelle notre infirmière. Et lorsque nous sommes besoin, que la photo soit la sienne, quoi. Voilà, nous prenons par exemple celle-ci. Nous disons que bon, c'est pour toi. Et puis, format de l'image, je vais là-bas, je vais remplir. Et puis, voilà. Puis on fait comme ça et notre estimé, l'infirmière est là et puis la couleur de contour, nous prenons cette couleur ici et cette couleur et voilà, nous ajoutons tout petit peu l'épaisseur et voilà, l'épaisseur est là et nous croyons que ça va déjà et puis nous venons récupérer juste une petite portion ici de notre code qu'il y a. Voilà. Et nous venons déposer cet élément ici. On va déposer l'élément que nous amenons, que nous mettons à sa place, tel que cela devait être. Et voilà. Et puis, bon, ici, nous écrivons par exemple. Je viens encore ici, je récupère juste une petite chose ici, puis bon, on écrit là-bas, c'est la signature.
un signature. Et puis, nous venons récupérer ça. C'est un light. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On enlève tout ça. Et puis, nous venons poser ici. Et on signera assez petits milliers. Voilà, donc notre petite carte qui vient d'être créée est là. Vous pouvez toutefois maintenant l'admirer tel que vous pouvez le constater. Vous pouvez faire ça par vous-même. Et puis, vous amenez au niveau de l'impression et vous avez une jolie carte et cette affaire est close. Et puis, vous avez des cartes même à multiplier pour votre entreprise et tous vos agents. Et voilà. Donc, si vous avez aimé, et nous disons merci, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne et puis faites-nous avancer. Et nous aussi, on est en train de vous faire aussi avancer. À la prochaine. Merci.